L'intemporalité veut dire les circonstances peuvent changer, le temps peut changer, mais nous, nous continuerons toujours à produire des fruits. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give. Que Dieu, pour ses sacrifices, je dis encore, vous bénisse ou nous bénisse abondamment. Bien, avant de commencer avec notre partage autour de la parole du Seigneur de ce soir, je voudrais exprimer toutes mes reconnaissances de la casquette pastorale de notre papa et la reconnaissance du choix qu'il a fait à mon égard pour parler de la parole du Seigneur dans la maison de notre Seigneur. Et je bénis aussi la présence de tout un chacun de nous, au milieu de nous, et nous bénissons aussi la présence de Dieu au travers la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons rapidement lire un passage dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, dans son 14e chapitre, le premier verset jusqu'au 11e verset. Et puis je donne aussi d'autres passages que nous ne lirons pas, peut-être que nous allons lire à la maison vu le temps. C'est Luc chapitre 10, le verset 40 et ce qui suit. Et aussi un autre livre, c'est le livre d'Esther, le chapitre 2, verset 7 jusqu'au 15e verset. Comme convenu, nous lisons alors Matthieu chapitre 14, le premier verset jusqu'au 11e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur. À cette époque, je m'excuse, ma version, ce n'est pas Louis II. De toute façon, c'est la Bible, la Sainte Bible. Ce n'est pas le Coran. À cette époque-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il avait enchaîné et mis en prison à cause des Hérodiades. Dans Louis II, on lit Hérodias, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Dans d'autres versions, on dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la terre de Jean-Baptiste. Le roi fut irrité, fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Que la parole du Seigneur soit bénie et que le peuple de Dieu dise Amen.
Nous voulons parler sur un thème très important, surtout que nous venons d'une forte prière la semaine passée, une prière qui nous a restaurés, une prière qui nous a délivrés, une prière qui nous a affranchis. Alors, j'ai cherché les thèmes que je pouvais parler au peuple de Dieu. Dieu m'a convaincu que je puisse parler sur le thème qui dit « Faire le meilleur et plus grand choix dans sa vie ». Alléluia. Si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 40, les versets que j'ai donnés et que j'avais dit qu'on n'allait pas lire. J'explique rapidement ces versets pour que nous revenions dans la lecture que nous venons de faire. Dans ces versets-là, la Bible nous dit qu'un jour, Jésus était en train dans un village. On ne précise pas le nom de ce village-là. Une fois entré dans ce village, il y avait une femme nommée Marthe. Elle s'est approchée de Jésus pour l'accueillir dans sa maison. Et cette sœur avait une autre sœur qui s'appelait Marie. Une fois qu'ils étaient entrés dans la maison, Marthe se préoccupa pour préparer la nourriture afin qu'elle puisse servir au Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps, Marie, elle, est allée auprès de Jésus afin de l'écouter. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était en train de parler. Pendant qu'il parlait là, Marthe était très occupée à préparer, elle était très occupée à beaucoup de choses pour servir le Seigneur Jésus. Mais Marie était en train d'écouter très attentivement ce que le Seigneur Jésus était en train de parler. C'est ainsi que Marthe s'est plaignit vis-à-vis de Jésus en lui disant, ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, que ma sœur Marie ne vient pas m'aider parce que je suis trop prise. Elle ne vient pas m'aider, je suis toute seule. Pourquoi ne peut-elle pas m'aider? Ne t'inquiète pas, Seigneur, par rapport à l'attitude, au comportement de ma sœur. Alors Jésus lui dit, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais ta sœur a choisi la bonne part. Quelqu'un dit amen? Et cette phrase, la terminaison de cette phrase se rapproche aussi à notre thème qui dit faire le meilleur et le plus grand choix dans sa vie. Marthe a choisi la bonne part. Marthe a fait un bon choix. Maintenant, là que je suis en train de parler, tu peux prendre ça à la légère, mais c'est sérieux, c'est très important. Bien aimé, j'ai une petite expérience dans les choses de Dieu. J'ai vécu les gens qui ont eu plusieurs pères et en un certain moment, ils ont eu des problèmes spirituels très sérieux et ils n'ont pas su où aller et ils se sont retrouvés dans la route, ne sachant pas où aller, et il y en a d'autres qui sont même morts, il y en a d'autres qui sont restés avec des maladies qui les ont amenés à la folie, qui les ont amenés à perdre tout ce qu'ils avaient. Il y a des pères et pères, il y a des serviteurs et serviteurs. La Bible dit ceci, si le diable a la capacité de se déguiser en ange de lumière, à combien plus forte raison ces serviteurs se déguiseront aussi en serviteurs de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous prêcher, de vous exhorter pour vous dire non, non, n'allez pas voir tel, n'allez pas voir tel. Mais ce qui est vrai, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il faut avoir un père. Qui est ton père? Qui est ton père? Je ne parle pas d'encadrement. Tu peux avoir deux encadreurs, trois encadreurs, mais il faut avoir un seul père. Et si tu as un père,
tu te ressources à Jésus-Christ par les moyens de la prière, les moyens des Saintes Écritures, par les moyens du Saint-Esprit, tu es en train de te ressourcer. Et auprès de ton Père, tu peux aller te ressourcer tout en lui disant tous tes problèmes. Il y a des chrétiens qui ne disent pas tous leurs problèmes à leur Père, mais qui les disent à des aventuriers, des vagabonds, des serviteurs vagabonds. Aujourd'hui, j'ai été à la montagne et j'ai trouvé, je suis en train de fréquenter ces derniers temps un lieu là, en train de prier. J'ai trouvé certaines personnes, chaque fois que j'y vais, je les trouve, ils sont en train de prier. Et à un certain moment, ils ne prient pas, ils regardent les gens. Et puis, il attaque un groupe de gens, il vous prophétise. L'un d'eux m'a aussi prophétisé un jour quand je suis parti là. Il m'a prophétisé. À la fin de ses prophéties, il m'a dit que je viens de voir une fumée en train de monter au ciel. Oh, Sakara Sendere Monshindereba. Dieu vient de me dire, il faut que tu fasses un sacrifice. Donne-moi une offrande. Donne l'offrande, donne la main. J'ai dit, non, moi je n'ai pas d'offrande. Donne-moi ta main. Donc, les dieux là qu'il est en train de prophétiser ne savaient pas que j'avais l'offrande. Et puis, les dieux ont changé de l'offrande à la main. Donne-moi la main. Bien-aimé, il y a beaucoup des aventuriers. Hein? Nous devons faire très attention. Quelle est ta ressource? Tu es en train de te ressourcer où? Et ces gens-là, chaque fois, ils sont toujours là, en train d'attendre les gens, les clients, qu'ils viennent. Je dis, ils n'ont pas d'église, ils montent chaque jour à la montagne et ils ne font que prophétiser, c'est ça, les rappels. Dieu ne peut pas vous appeler à la montagne. Dieu, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, on nous parle de 5 ministères. Et ces 5 ministères doivent être exercés dans l'Église. Il ne faut pas être des serviteurs vagabonds. Nous devons avoir notre ressource, notre Père céleste. Nous nous joignons à lui par Jésus-Christ. Et nous devons avoir notre Père spirituel. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Le deuxième point, nous allons parler comment plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Voilà le deuxième point. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Que Dieu soit loué. Cette fille, la fille d'Hérodias, la Bible dit, elle a exhibé. Elle a dansé. Pendant qu'elle dansait là, cela a plu au roi. Le roi a aimé ça. Le roi a même suspendu l'activité de la fête afin de s'occuper d'abord de la fille. Il a arrêté la musique afin de s'occuper de la fille. Pourquoi? Parce qu'il a aimé ce que la fille a fait, la danse de la fille. Si nous regardons dans le livre d'Esther, la Bible dit ceci, il y avait une recommandation. On avait dit, chaque fois, c'est-à-dire on a choisi les filles, il y avait 7 filles qui étaient sélectionnées. Alors, ces filles-là devaient entrer dans un compartiment. On les a donné des produits pour embellir leur beauté. On les a très bien entretenus. Et puis, il y avait une catégorie, une qualité des produits qu'ils devaient prendre pendant 6 mois et une autre catégorie de produits qu'ils devaient prendre après 6 mois. Donc, après une année, elles devaient aller se présenter maintenant devant le roi. Alors, après une année, les filles sont parties maintenant se présenter au roi. Alors, il y avait des faveurs qui leur avaient été données. Avant de se présenter au roi, il y avait des choses qu'on avait déjà planifiées, qu'on avait déjà préparées, des choses matérielles.
L'instruction qui leur a été donnée, avant de se présenter au roi, elle avait le droit de prendre tout ce qu'elle pouvait prendre. Alors, Mardoché, lui, comme c'est lui qui était la ressource de Hadassa, qui était surnommée Esther, il lui avait donné des conseils. C'est pourquoi, frère, ma soeur, vous devez avoir un père. Nous devons avoir un père. Vous savez que, je m'excuse de retourner encore au premier point là. Vous savez, il y a un père normal doit avoir les soucis de son enfant. Vous savez, même prier pour quelqu'un, il faut que vous ayez d'abord la compassion de ce quelqu'un-là. Vous ayez les soucis de ce quelqu'un-là. C'est alors que vous pouvez prier pour quelqu'un, toute prière que vous pouvez faire en sa faveur, et que Dieu accomplit la chose. Parce que vous avez la compassion. Il y a d'autres soi-disant serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, qui prient avec des intentions, des agendas cachés, et aussi même avec la jalousie, une fois que la chose qu'il a lui-même prié vient de s'accomplir, il commence à convoiter ça. Il y a certains hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui viennent dans la maison, qui commencent à prier, il dit, Robo, Dieu m'a révélé, dans cette télé, il y a un démon. S'il y a un démon, délivre-le. Donne-moi cette télé, je vais aller la délivrer chez moi. Et il prend la télé pour toujours. Mardoché avait de bons conseils. Il a donné des conseils à sa fille, Hadassa, Esther. Il lui a dit, lorsque tu arriveras, ne dis à personne que tu es hébreuse. Ne te révèle pas. Lorsque tu arriveras là-bas, ne sois pas agité. Lorsque tu arriveras là-bas, il ne faut pas avoir la convoitise. Il ne faut pas que ici à l'église, tu es chrétien. Après l'église, tu deviens une autre personne avec un autre nom. Que je manque d'identifier maintenant. Comment est-ce que tu entreras dans la présence du grand roi? Il y a des gens qui viennent ici, qui soulèvent les mains, qui parlent même en langue, qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais quand ils sortent là, ce sont des grands ninjas. Ce sont des aventuriers. Ce sont des fanfarons, des parjures. Ce sont des voleurs, des escrocs. Pas des escrocs spirituels, un escroc correct, complètement escroc là. Et il connaît toutes les formules de l'escroquerie. Et il le fait aisément, librement, tranquillement, paisiblement. Mais quand il est à l'église, c'est un chrétien. Et quand il prie, il bouge même la tête. Il bouge la tête. Quand vous le regardez, si vous n'avez pas le discernement, vous croyez que c'est un chrétien, vous vous approchez de lui et vous l'associez même, alors que c'est un impudique, un sorcier. Et comment est-ce que tu peux pleuradier avec toutes ces semences-là, avec tous ces fruits-là? La Bible dit ceci, dans l'homme, il y a l'esprit et la chair sont en train de se combattre. L'esprit a ses désirs et la chair aussi a ses désirs. Celui qui est en train de vouloir plaire à la chair, il fait les désirs de la chair. Et celui qui veut plaire à l'esprit, qui est le Saint-Esprit, il fait les désirs du Saint-Esprit. Maintenant, toi, quels sont les désirs que toi tu fais lorsque tu es dehors? Quels sont les désirs? Peuple de Dieu, nous devons changer. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que être pasteur, c'est une souffrance. Hein? Je ne dis pas que je suis pasteur. Mais nous côtoyons notre papa, nous voyons comment il souffre.
On le réveille à 0h. Bon, pas on le réveille. Nous les réveillons à 0h, à 2h. Si j'ai un problème à la maison qui me dépasse, je peux l'appeler même à 2h. Comme il est pasteur, il peut couper son sommeil. Et il répond. Tu as un problème, tu l'appelles à 3h. Il répond. Quelqu'un qui plaît à Dieu, la Bible déclare, je connais mes brebis et mes brebis reconnaissent ma voix. Lorsque je les appelle, elles viennent une à une et moi je les prends, je les amène à l'abreuvage. Dieu te connaît par ton nom. Gloire au Seigneur. Dieu te connaît par ton cœur. Dieu te connaît par ta foi. Et chaque fois que tu crieras, Dieu écoutera ta voix. Dis amen bien. Chaque fois que tu élèveras ta voix, Dieu entendra ta voix et il descendra pour agir. Un jour, nous étions, je pense, ce n'est pas ce dimanche, l'autre dimanche, on était toujours ici. J'étais assis là-bas. Il y a beaucoup de mamans qui viennent avec les enfants qui pleurent parfois, et les enfants qui jouent, qui crient. À un certain moment, il y a un bébé qui a crié. Derrière, il y a un bébé qui a crié. Lorsque ce bébé a crié, j'ai vu l'ancien Simon tourner brutalement là. Il regarde. Moi aussi, je me suis retourné ici. J'ai vu la femme de l'ancien Simon s'élever avec le bébé et elle est partie dehors avec le bébé. Je me suis dit non, lorsque ce bébé-là a crié, moi je ne savais pas que c'était le bébé de qui, mais l'ancien Simon a reconnu la voix de son fils parce qu'il est habitué avec son bébé. C'est comme ça avec Dieu. Si tu t'habitues, ce n'est pas une mauvaise habitude. Si tu entres en présence de Dieu, tu pleures souvent à Dieu. Lorsque tu cries, Dieu va entendre ta voix et il va se tourner brusquement pour regarder ceux qui te font mal, celui qui te touche afin de les menacer. C'est pour cela qu'il est écrit, ce ne touchez pas à mes oeufs. Celui qui touche à l'enfant de Dieu, il touche à la prunelle de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et tu plais à Dieu. Il faut plaire à Dieu, bien-aimé. Qui t'ont limité dans une marche de surplace, dans une marche à reculant. Tous ces blocages-là, le Dieu que nous prions, il est capable de faire tomber tous ces blocages. Un Dieu qui fraye les chemins dans la mer. Un Dieu qui fait descendre du feu du ciel. Non, bien-aimé, c'est un Dieu qui est capable de faire de grandes choses, les choses que nous redoutons. C'est un Dieu de surprise. Un Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous lisons dans les Saintes Écritures les choses qu'il a fait avec ces gens-là. Il est capable de faire encore avec nous. Oh, gloire au Seigneur. Il est le Dieu qui est capable de finir avec la construction des Bread of Life. Il est le Dieu qui va te faire réussir à ces examens d'État. Il est le Dieu qui va te donner ton diplôme. Il est le Dieu qui est capable de te donner les enfants. Le Dieu des Bread of Life. Le Dieu du pasteur Josué Chinabo. C'est un Dieu capable. Bien-aimé, il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les diminuer. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Tu as un Dieu vivant, Seigneur. Tu as un Dieu capable. Un Dieu de te délivrer de la folie. Ce Dieu-là, il est capable de te délivrer de tous les troubles de ton esprit que tu as. Il est capable de le faire. Un Dieu qui est capable de guérir le sida. Il est capable de nous guérir de COVID-19. Le Dieu de Bread of Life. Il est capable de te guérir de cancer. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de visiter les gens qui sont restés pendant longtemps dans différentes maladies. Et il est en train de les toucher. Il est en train de les guérir. Il est en train de les guérir. Parce qu'il dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Que toute espèce de maladies qui sont présentes en ces lieux,
je suis en train de les ordonner de partir par les moyens de la prière que je suis en train de faire au moyen du feu dévorant. Car il est écrit que la rouille ne partira que par le feu. Que toute espèce de maladie qui ont traîné pendant longtemps dans ton corps, dans ta santé, je m'adresse à cette maladie de partir à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.